Nous allons parler avec le responsable parti politique et force louverturienne, Dr. Emmanuel Mina, à qui nous avons gardé la conjoncture politique là, qui est la dernière. Conseil présidentiel de transition qui a annoncé à recevoir pièce pour les gens qui voulaient venir le premier ministre qui a sorti dans le secteur qui est en accord ou bien secteur qui adhéré. Il a fait ça sorti jeudi, lundi, après le 17 mai. Il y a la dernière tour dans ce qui concerne le conseil présidentiel de transition. Modification qui a fait dans l'accord 3 avril là, majorité qui sortit dans 4-7 pour arriver dans 5-7. Il y a élection 30 avril qui passait, Jean passé avec Dr. Mina, n'a pas gardé, n'a pas pris compréhension ni sous tout ça. Le conseil présidentiel là de 30 avril à juin, je veux dire, comment lui-même li ouais évolution et puis question premier ministre pour divers secteurs, au moins 15 premier ministre nous prenons là, nous avons arrivé à au moins 15 premier ministre pour choisir. De la dernière ou des derniers, et une la dernière avec le premier ministre, comment lui-même ne comprenne situation ça. Docteur Mena, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour, me saluer tout le panel Magic là, et profitez tous, saluer auditeurs, auditrices, capcouté nous en Haïti et à l'étranger. Le conseil présidentiel de transition de 30 avril là, depuis l'élection, j'ai passé à jeudi, il y a des efforts qui fait, il y a des changements qui fait dans le 4 avril là. Comment nous-mêmes dans force l'ouverture, nous comprenons l'évolution conseil, bien que son concept qui est nouveau, et ça qu'a fait là, nouveau. Même dit inédit, comment nous comprendre l'évolution conseil présidentiel de transition jusqu'à jeudi aujourd'hui? Bon, c'est un bagage qui est difficile, l'exercice là pas facile du tout, c'est ça que fait nous-mêmes dans force ouverture de Fornis avec notre partenaire et allié nous t'es pour opposer et la réunion CARICOM pour nous gagner en présidence et provisoire de la République avec un gouvernement. Cependant, il y a une majorité de partis prenantes haïtiennes qui étaient optés pour le conseil et présidentiel là. Donc nous-mêmes, comme démocrates, nous prenons acte et c'est ça qui fait. Le 30 avril à Jodia, il y a un jubilé justement et capé fait de présidence du conseil, nous révélant présidence tournante. Pour qu'on ait, c'est un système collégial. C'est pas un gouvernement collégial parce que qu'on différence entre la présidence de la République et le gouvernement de la République. C'est le gouvernement qui gère l'État et la présidence lui-même les Vintangou et un équilibre et qui fait entre la présidence et la primature et qui barou et un équilibre du pouvoir exécutif. Et nous-mêmes, nous, ouais, que, là, on j'en l'a, mais, on en a été au condo, nous miser en route pour de bonnes nouvelles. Nous, ouais, ajustement qui a fait, mais on gagne bagaille. Et nous, t'a demandé, on appelle à membre conseil présidentiel, yo, pour leur fin ajuster et à côté à Villa, pour être capable de faire tout effort pour respecter les et pour yo appliquer rapidement en façon pour population capable de sortir et lancer l'hier. Nous-mêmes, la force d'ouverture de Formis, qui c'est membre coalition nationale et bloc du milieu, tant que ça a été annoncé, et par acte notarié, nous avons adhéré à l'accord et du 3 avril. Et donc, nous pensons qu'il y a avancé qui fait, même si nous pas satisfaits et de Jean Bayot à Pétrainin. Et nous souhaitons que, avec abnégation et le sens de l'État, nous appelons ces membres du Conseil pour œuvrer une façon pour l'État qu'à reprendre escamp figure. Et vous avez dit tout à l'heure, dans la réunion avec CARICOM, nous avons proposé un président avec un gouvernement. Là, nous allons, selon la dernière décision qui prend le conseil présidentiel, là, vers une présidence tournante pour même, d'après ça, vous avez écrit récemment sur les réseaux sociaux. C'est un modèle suisse. Nous avons là, je vous ai expliqué pour nous comprendre le modèle suisse et, par rapport avec la présidence tournante, là, et Dr. Mena. Alors, l'homme dit modèle suisse là, et on connaît modèle suisse là lui-même, okay, au conseil fédéral et comme conseil de gouvernement.
et où qu'on est après 86, nous avons un modèle ça là tout avec Conseil national du gouvernement qui était la tête et général Henri Nanfi, pas de gagner premier ministre. C'est un conseil de gouvernement qui a gagné, qui a gagné 6 membres là-dedans. Et il y a un membre du conseil là qui a gagné les portefeuilles ministériels. En Suisse, nous avons un conseil fédéral qui a géré le gouvernement. Mais le conseil, ça, c'est le conseil c'est-à-dire législatif, là, l'assemblée que le peuple a élu, qui élu lui-même un conseil fédéral pour 4 ans. Et conseil fédéral, ça, qui a 7 membres là-dedans. Chaque année, il a élu un président pour diriger. Et différence qui est entre conseil présidentiel, ça. Conseil présidentiel, ça, là-bas, sur les tâches de la présidence de la République. Et modèle suisse, là, conseil fédéral, là, c'est les tâches gouvernementales. Et même si et les décisions elles prennent par consensus ou bien par un vote majoritaire, et depuis vote majoritaire la fin fait, et qu'on membre conseil fédéral là, même si ça décide à son bail, il va aller en ligne et politique et parti, mais il est obligé de soutenir la décision du conseil. Parce que depuis le fin fait, il n'y a pas de décision au monde encore, décision conseil. C'est ça, approche. Et collégial à qu'on approche assemblée. Donc, on a toujours besoin de majorité pour voter, sous pas de consensus et sous yon bagay. Et chaque décision qu'il prend, c'est la décision du collège. Donc, et chaque grain de monde de façon individuelle efface pour pouvoir présidence la guerre. Hein? C'est ça, nous, les collégialités. Donc, c'est ça, c'est l'expérience que nous avons fait et, en Haïti. Et nous souhaitons que l'y réussit parce que le peuple n'a pas qu'à attendre. Nous souhaitons que l'y réussit. Est-ce que vous pensez que la présidence tournante est capable d'avoir un impact sur le fonctionnement du conseil présidentiel là? Oui et non. C'est un bail que nous avons fait expérience. Et oui, parce que l'y permet plus de monde participer. Parce que, comme dit tout, président conseil là, c'est pas président de la République lié, c'est la présidence du conseil. Et présidence conseil là, c'est lui qui assure fonctionnement du dirigé séant. C'est ce qu'on va écrit, il a adressé au président du conseil. Et président conseil là, lui-même, il gagne et des attributions de représentation de l'ensemble de ses collègues. Et non, parce que lui qui apparaît ou instabilité la tête de l'État, je dis à 4 mois, on a parlé avec tel monde, mais il faut que nous connaissions, on a parlé avec le président du conseil, on s'adresse au conseil. Et nous avons ça qui fait tout le coup des comptes chaque année, et en octobre, le coup des comptes est élu un nouveau président. Et donc c'est une présidence tournante qu'il y a à la coup des comptes, ça va faire qu'il est dysfonctionnel pour autant. Mais comme c'est au plus haut sommet de l'État que nous gagnons. Donc, nous croyons que le patriotisme, chaque monde a capable de primer sur et faire primer l'intérêt général sur les intérêts de leurs partis respectifs. Nous allons aller dans la formation gouvernement, Premier ministre, il y a dépôt de pièces qui commençait jeudi à Coalition nationale bloc du milieu. Ou dit que nous adhérons avec Akoto Avila. Est-ce que nous avons proposé un Premier ministre? Moi, j'ai annoncé déjà parce que j'ai participé à ça et approché moi pour faire. Choisi moi comme monde qui était capable de briller poste premier ministre là. Et moi-même, j'ai réfléchi à analyser la question dans un premier temps, moi j'étais d'accord. Et au fur et à mesure que bah, il a pas avancé, en pile candidature a pas annoncé, il y a des fractures, il y a des tensions. Et à mesure qu'on a pile candidat, c'est à mesure qu'on augmente la pression. Et bon, moi-même, personnellement, moi, je crois qu'à un niveau. Et comme ça, on est appelé Premier ministre, hein, par consensus ou en concertation avec d'autres. Mais moi, je ne suis pas fin à l'aise avec postuler, de voyer pièces et des bails de ce genre. Et donc, dans un esprit de dépassement, tant qu'on me dit, mes convictions patriotiques dépassent de très loin mes ambitions politiques. Donc, j'avais décidé avec
et le directoire aussi de mon parti et les partenaires demandaient au sursoir sur le dépôt de ma candidature. Et comme de fait, j'annonce que moi, j'ai demandé encore formellement pour ne pas faire dépôt de ma candidature et comme Premier ministre. Et c'est une façon tout, non seulement la faire dépassement, qui permet nous tout faire et de rassembler plus de parties prenantes pour être capable de travailler ensemble parce que et plus gain moins ces candidats, c'est plus ouverture qui a fait et donc a réduit tension qui gagne ce conseil là et pour le monde à diriger le gouvernement. Il y a des monde qui pensait je dis à dans contexte nous y a dans situation le pays a trouvé le je dis à gain en côté gain monde qui pensait c'est à dire un monde en politique qui vient les chefs de gouvernement, il y a l'autre monde qui pensait c'est à dire un technicien pour nous aller plus vite qui côté au même situé dans contexte ça en politique ou bien technicien. Bon, il faut les deux. Il y a des politiques doublées de techniciens. C'est là, ça nous est là. On va prendre une tête matou. Ça veut dire au monde qui pourra apprendre l'administration, parce qu'il y a une grande différence entre la qualification et la compétence. On est capable de qualifier au grand pile diplôme, au grand pile et papier, au grand réputation surfaite. Et puis, on n'a pas gagné expérience en la matière. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas compétent, même si on est capable de qualifier. Et nous, ouais, exemple là, avec le docteur Ariel Henry, moi, je regrette que le pays a perdu un gros neurochirurgien, mais c'est vrai, à la tête et de la primature, il a donné la mesure de son savoir et nous voyons qu'il n'est pas tout à fait compétent, même si il est d'une grande qualification et comme neurochirurgien. Donc je dis à nous quoi que nous besoin les deux, nous besoin on est politique parce qu'il faut qu'ils comprennent et crise dimension crise là et nous besoin on est tout qui rompu de l'administration publique qui est habitué et dans les rouages de l'administration publique pour parce que dans le moment ça nous pas qu'il y a tant d'observations et le gouvernement doit et commencer à travailler tout de suite à aborder les grandes questions, la question de sécurité et la question de sécurité à nous d'accord, c'est pas ZAM seulement qui a rétabli l'ordre et en Haïti, ma poétilie et les fractures sociales là, écart qui gagne entre monde qui pas gagne en litrope et ou pas qu'à tuer tout le monde, gagne des petits monde qui gagne ZAM là mais qui gagne 12-13 ans, c'est pas tuer pour résoudre le problème non, même si on mourit on veut l'autre et donc il faudra et une politique agissante de justice sociale et pour capable à partir à côté des mesures drastiques que on prend pour l'ordre républicain rétabli. Donc moi je crois que c'est les deux, il faut un politique doublé et d'une compétence de la chose publique pour capable d'avoir résultat tout de suite et bien sûr avec et un cabinet ministériel de mission avec des hommes et des femmes et qui gagnent et qui sont capables tout de suite d'aborder les questions hein, avec tout esprit et de patriotisme. Très bien. Et vous dites, vous déclinez pour ta, pour secteur et pour la tavoue ou comme Premier ministre, mais est-ce que vous faites partie ou bien vous faites partie membre cabinet ou non conseil présidentiel? Oh non, bah, nous autres, nous ne sommes pas demandeurs, nous ne sommes pas à la recherche d'un emploi. Et nous sommes à la recherche d'espace de pouvoir pour participer à la reconstruction du pays. Nous avons fait en pile proposition. Et d'ailleurs, il y a une réforme constitutionnelle qui doit être faite et avant la tenue des élections. Et pour ça, il y a une conférence nationale, quel que soit le genre, il est là. Et nous autres de la force ouverturienne de Formis, et nous voulons participer dans toute bagaille de façon active et surtout dans la réforme constitutionnelle. Et il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et ce pouvoir exécutif provisoire, il faut qu'il y ait un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, et tout ça, nous croyons qu'il y a un espace pour les parties prenantes, ou pas besoin d'un pouvoir, et dans la présidence ou bien dans le gouvernement, pour capable de faire ça. Ou pas demander, mais vous pas approcher non plus. Vous pas demander ça. Pas proposer ça. Bon, pourquoi il y a monde qui a proposé mon travail à aucun niveau, ou que la présidence a tâtonné
et nous fait tant d'eau à petit tout à l'heure que il faut qu'on gagne qui est publié dans le moniteur. Donc on quitte conseil là et monter équipe parle qui pour travailler avec les monde qui un cabinet de bail de ce genre et puis après le choix du premier ministre, il faudra constituer une équipe de gouvernementale et une équipe aussi pour contrôler l'action gouvernementale. Et donc, la coalition nationale et le bloc du milieu, bien sûr, sont capables toujours de proposer ou voyez des techniciens qu'ils gagnent pour participer à la Respublica. On va aller dans le dernier. Et point avant nous finir avec interview, on a parlé avec Dr Emmanuel Ménard de Force l'ouverture réformiste sur conjoncture politique là. Le conseil présidentiel transition a gain comme mission, une principale mission c'est organiser des élections pour gagner des élus qui prend maître pays au 7 février 2026 en dans conseil présidentiel ça nous gain là aujourd'hui a un paquet représentant de partis politiques qui et probablement ou certainement a bien pour l'affronter dans élection qu'a bien pour faire en 2025 yo comment ou même ou est prochaine élection yo avec conseil présidentiel qui l'a bien je tiens. Bon, c'est un pari risqué mais c'est un risque à prendre et premièrement il faut que nous rappeler que c'est pas conseil présidentiel là qui a bien mission pour faire élection. Et la Constitution de 1987 créé un organe indépendant qui pour faire les pouvoirs publics là pour bailler moyens et puis rétablir la sécurité bailler conditions favorables qui pour faire. Donc et si vous avez un conseil présidentiel avec un gouvernement et que vous croyez qui a un gouvernement pluriel et un gouvernement d'union nationale. Et ça dépend de gens qui pourront monter conseil électoral là, qui est capable d'établir la confiance des acteurs. Et d'ailleurs, au monde contre président de la République, mandat fini, si constitution permet ça, les candidats encore à sa réélection, donc pendant le président, il pourra l'élection. Donc, depuis structure là, les institutions sont fortes. Et il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas un problème lié au départ, mais il faut que nous réfléchissions sur ça. C'est normal, il y a des suspicions, parce que quand une partie qui est signée à porte 3 avril, là, qui voit l'élection qui est au timon des affaires, donc c'est ça que fait nous appeler à la vigilance citoyenne et rôle organe de contrôle là, lui-même, la paix primordiale et pour ça. En plus, Constitution pour le fait, là, on va compte qui ça le dit. Donc, même accord qu'on signe, même le dit élection pour le fait, même le NAP monté CEP, il faut s'attendre que dans la nouvelle Constitution, qu'il y ait des dispositions transitoires. Et ces dispositions transitoires, il pourra le dire exactement qui gens et pouvoir exécutif qu'il a, c'est-à-dire le Conseil et le gouvernement pral continuer mener et gérer la période intérimaire parce que sinon le courir même si sécurité est rétablie là sans qu'on pas manien et générer politique nationale là va faire élection même genre eh bien ouais problème là depuis date et Ariel Henry aller eh bien la population lui gagne et impression on a changé de manche, mais on a le même couteau. Merci, Dr. Emmanuel Ménard. C'est un plaisir pour nous débattre le matin. Un plaisir pour moi tout. Au revoir.